Ouais, bah bonjour, salut à tous. Alors, petite vidéo, ce sera la seule de la journée. Demain, je sais pas si j'en mettrai une. Bah, j'en ai parlé hier, c'est rapport à samedi là. Je me dis que l'humanité, elle est dans la merde, non? Elle va pas bien, l'humanité. Les gens, ils ont plus foi en humanité, ils ont plus. Comment ça s'appelle? Ils ont plus de cœur, on dirait. Ils ont plus rien. Ils sont dénués de toute bonté. C'est quoi que j'ai dit, j'ai été à la manif là. Ouais, bah je me dis que les gens ils ont perdu foi en toute l'humanité. Et que. Est-ce que vraiment la grande purge en cours là, par les pourritures, c'est pas un bien pour un mal, avec tous ces cons qui nous côtoient au centimètre carré? Parce que quand tu vois des gens dans la rue, alors qu'il faisait 8 degrés en plein après-midi, quand tu vois des gens dans la rue qui sont en t-shirt et en nu-pieds, et que tu as toutes les autres cons à côté, ils vaguent à leur occupation, ils continuent à faire leurs achats, de mettre de dépenser leur pognon de dingue et tout. Il n'y en a aucun qui fait un geste d'humanité. Ouais, je sais, à Paris, c'est la cour des miracles. C'est un peu comme de Notre-Dame de Paris à l'époque, ça n'a pas changé, c'est même empiré, je crois. C'est la cour des miracles. On en voit tellement de malheureux, de SDF et tout. On se dit que si on donne du pognon à tous, bah c'est nous qui allons être ruinés. Mais on n'a pas dit de donner du pognon. T'as des vieux vêtements. Un jour, promène-toi avec dans ton sac. Des vêtements qui ne te servent pas, qui sont quand même neufs. Et puis, quand tu vois quelqu'un comme ça, là, donne-lui. Au lieu de laisser pourrir chez toi et que le vêtement il finisse dans un placard et qu'un jour il se fasse bouffer par des mythes. Bah, donne-le. Si c'est la taille des personnes, si tu fais à peu près les mêmes tailles, que tu les repères tous les jours dans le même coin et que tu as l'habitude de passer, bah donne-lui. Les chaussures, essaye de repérer sa taille de pied, quoi. Si t'en as, pareil. C'est pas ça qui va tuer personne. Non, au contraire. C'est un geste que si un Dieu là-haut, il voit et que il appréciera ce que tu fais. Et c'est comme ça que tu gagnes ton entrée au paradis, comme on dit. Au contraire, à croire que mon Dieu iPhone. J'en suis sûr que d'ailleurs, tiens, une petite truc. J'en suis sûr que si Apple leur disait on veut sortir un super méga téléphone qui coûte très cher au développement, et l'entreprise manque de fonds, quoi. Alors j'en appelle à tous ceux qui achètent iPhone à donner 500 euros. J'en suis sûr que les cons, ils le feraient là. Pour la secte de merde à la pomme croquée. Ils seraient capables de donner 500 euros et d'après de payer le téléphone à prix fort. Ça, pour ça, ils le feraient. Mais pour quelqu'un dans la rue, non, ils ont rien à foutre, ils continuent à vivre leur petite vie. Mais bon, ainsi va le monde, hein.